Salut les amis, c'est Seven, c'est Cabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 14. Donc l'épisode d'avant, on avait été on avait pris en chasse Prince et le Torres. On s'était fait repérer et on avait convaincu James Kidd de ne pas tuer Prince, qui d'ailleurs nous a bien gentiment envoyé nous faire voir, comme dirait l'autre. Donc on part directement, donc là c'est un épisode, j'allais dire spécial mission, mais c'est pas réellement spécial mission vu que c'est un épisode normal. Donc à première vue, en réalité, Prince a l'air d'être un peu le Torres de Kingston en fait. Torres c'était le mec qui avait un grand manoir dans... c'était dans quelle ville déjà regardez vite fait, je ne sais plus. Ah oui, la Havane. Et là, c'est Prince qui a l'air d'avoir un grand manoir, mais à Kingston, en réalité. Donc voilà, on se dirige vers Kingston, gentiment. Donc vous avez remarqué, je pense que vous avez remarqué que j'ai pas amélioré... Je vais aller chercher des munitions vite fait, là, vu qu'il y a une armure ici. J'ai pas fait la mission à 100%, en réalité. Je tourne cet épisode là juste après avoir fait l'autre. Donc voilà. Je vais vendre les... ça. Le cartilage des trucs que j'ai chopé. Pot de jaguar blanc. 1800. Impeccable. Donc je suis pas trop craft pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de gros trucs. Voilà, on est censé faire un peu de thunes, on va pouvoir améliorer la crique ou le bateau selon le matos. Tac tac tac. Donc il n'y a que les fléchettes sur les filles qu'il faut que je rachète. Ah non, que des bons fumiers en réalité. Donc voilà, on est cool. Parce que, allez hop, on part directement, on va pas perdre de temps parce que si la mission dure autant de temps que celle d'avant, j'ai peur de pas tenir les deux. Enfin non, celle d'avant on a quand même fini à 24 minutes, ça va, je me suis grossièrement bien. On a au total 500 unités de cargaison à... Oh, c'est cool. Donc les trucs à Abstergo là que vous voyez sur le côté, que je débloque, les défis Abstergo, ça nous permet de débloquer les codes de triche. Donc ça va être du style... Bah moi là les codes de triche que j'ai vu, que j'avais terminé, c'était du style bon, il faut que je monte sur la palle. Du style changer le temps Oh non, quel magnifique fail. Que devrait dire de plus? C'est sûr qu'on est obligé de monter tout. Oui, on l'a dit. Ça, c'est... Ah oui, je suis con. Voilà. C'est passé dans la brèche. Et puis voilà. Je crois que c'est dans Assassin's Creed 2, on pouvait passer sur le pal des moulins. C'était assez marrant. Quand on était du côté des marais, là, je ne sais plus trop où c'était. Alors, on va voir James Kidd. Allez hop, c'est parti! Tu n'aurais pas préféré un pub? Non, c'est pour traquer une cible que je suis à Kingston. J'ai aucune intention de m'enivrer. On gagnerait à unir nos forces. Toi, c'est Lawrence Prince que tu veux. Et moi, son prisonnier. Nous aussi, nous voulons le sage, Edward. Évite de nous contrarier. Que le meilleur gagne. Des gardes patrouillent le domaine d'un bout à l'autre. Je crois qu'ils se servent de ces cloches pour sonner l'alarme. Tu vois là-bas? On va devoir s'en occuper avant d'aller trop loin. Ils sont beaucoup trop nombreux, la discrétion ne suffira pas. Alors je vais trouver une façon de détourner leur attention. Et il te restera plus qu'à les éliminer. T'es prêt? Tu ne t'appelles pas James, hein? Ça dépend des jours. Allez, viens. Ok.
qui c'est qui avait raison? Je l'avais dit que c'était pas un garçon, c'était une fille. Oh merde, j'ai un peu synchronisé, j'ai fait le son. Voilà, je suis un beau gars, je l'avais dit. Avant moi. Tue-le, et je te verserai quelques pièces. C'est d'accord? James, je ne peux pas croire que tu sois une femme. Il n'y avait pas un espagnol qui devait venir ici en visite, Torres, c'est ça? John Stowe. Hop. Je fais ça direct, hop, on stay. Par un endroit où il y a des fougères, si possible. Hop. Lui, je fais le ménage, hein. Je suis un peu comme ça, moi. Ça, ça fait bizarre de voir une femme, en fait. Enfin, de... Je savais que c'était une femme, mais j'aurais jamais cru qu'elle aurait été comme ça. En fait, elle est stylée. Diriger des fléchettes de furie sur les brutes. Bâtir sur les canonniers. D'accord. Donc un canonnier en moins. Elle tourne en rond. Elle doit être dans le... Sur l'arbre. Je sais pas. Je sais pas trop. Les brutes, c'est les grosses, c'est ça. C'est bon, j'en avais deux tout à l'heure. T'es une route, toi? Ouais, t'es pas allé, c'est une route. On a un canonnier par là. C'est bon, j'aurais peut-être pas dû faire. Non, non, ne vois pas. Vite, avant qu'il se réveille. Là, le coup. Bon. Ok, le mec est très sympa, tu sais. Je vais chercher lui. Tu veux. Les trucs qui me fait défaut. Ouais, toi, tu vas voir le cadavre. Donc, tu vas pas le voir, il va falloir que je t'aide à le voir, donc. Voilà. Oh, il m'avait pas vu. Il est aveugle. Oui, 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 c'est aveugle. Une cachette là et l'autre elle est où? L'autre elle s'est barré. Ok. Hop. Tu t'étais. Il faut que je fasse vite parce que il va me gêner aussi. Ok, en fait j'ai bien fait parce que c'est l'air d'être une mission assez longue quand même.
C'est dommage, j'avais deux grosses brutes et j'ai pas pensé à leur mettre. J'ai pas regardé les trucs avant, j'aurais dû. Je suis un peu déçu là. Bah, c'est pas grave, j'en trouverai, je suis. Je pense que c'était les seuls. Bon. Une brute par ici. Vite. Toujours pas de brute. Sur les brutes, oui, il en faut deux. Non mais tu ne m'as pas vu, ne cherche pas. Bon allez hop, tu vas te prendre une aussi. On va prendre là. Hop, et toi aussi, parce que toi je sais que si je te laisse en vie, tu vas me sauver. Non. Non, non. Non, ta gueule. Ta gueule. Moi je suis grillé. Mais... Oh c'est tout. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça a fonctionné le fait que j'en mette deux sur le même plan? Ça va être trop beau. On va monter le tuer lui parce que c'est un énervé. Allez, je suis là. Voilà. Oh, plus jamais la cloche, ok. Tu m'as pas vu. Non plus. Bon, je recherche une brute activement, une brute. Je répète, une brute. Dis-moi qu'il y en a une, ça m'a vu. Ça peut recommencer. Juste pour une brute. Voilà. Impeccable, merci. Allez, c'est tout. Hop, on continue la mission, ça fait 13 minutes. Oh, ça va en fait. Je m'attendais à que ça fasse plus longtemps. Non, vous pouvez venir le chercher si vous voulez. Il n'y a plus de cloche, donc c'est tout. Déjà ça c'est fait. Ce qui est bien c'est qu'on peut assez camoufler mais en tirant les fléchettes. Ça c'est une bonne... un bon truc. Bon là il y a un coffre, on va le prendre vite fait, hein, ça mange pas de pain. Hop. Ouais, petite pause. Allez, hop. Ah, plus un geste. Pitié, on m'a tiré dessus. J'ai besoin d'aide. Mon Dieu, Thompson, regarde là, il est blessé. Grièvement, monsieur. Je crains... Très bien. ...de défaillir. Prends mon bras, petite. Soyez bénis. Pourquoi il a fait ça? Aïe. Ouais.
Je vais mourir. Allez hop. Voilà, vous avez bien fait de venir au moment où il a fait. Ça, ça a été une bonne idée. C'était sérieux, j'appuie sur B. Aïe. C'est pas possible de se battre dans un coin si petit. Hop. Voilà, bon. Faut localiser Lawrence Prince. Prince of Persia. Je pense qu'il a un endroit chiant. Ça, ce serait pas cool. T'as dit quelque chose, petit ? C'est pas le moment de balancer. Oh non, il va sonner la cloche. Il n'y a pas d'autre cloche, j'espère. Tu me feras plaisir de te les crever. Soyez tranquille, je travaille. Je fais du mieux que je peux. Remets-toi au travail. Voilà, hop, on va tuer le PPP. Je suis entier moi. Hop. Voilà. C'est totalement resté. Voilà. Bon. Voilà. Hop. Oui, il est dans le coin. Oui. Là, on coupe une petite cordelette. Voilà. Pourquoi me fixes-tu avec ce regard de vautour? Tu veux voir un vieillard souffrir? Tu as très largement contribué au malheur des autres, Monsieur Prince. Rien n'est plus vil que toi. Ton ramassis d'égorgeurs et votre précieuse philosophie, vous vivez dans ce monde. Mais n'en aurait jamais la maîtrise. Mais prends sur mes buts, vieillard. C'est uniquement l'or qui m'intéresse. J'ai connu ça jadis. J'étais comme toi. Par ici, Kenway. J'ai trouvé ton homme. Tu ne m'es pas inconnu. Le Templier de la Havane. Je ne suis pas un Templier. Ce n'était qu'une ruse. Nous sommes venus sauver ta carcasse de ce négrier. Me sauver? Je travaille pour Monsieur Prince. Tu penses que cet homme est ton employeur? Mais il avait l'intention de te vendre ton plié. On ne peut faire confiance à personne, on dirait. Robert! Oula, voyons. Je pense aussi qu'il faut fuir. Oh, il est coupé, on va mis directement dans le sens. Oh non. Je suis le secteur est caché. Zut. Oh non. Ouais. Hop, hop. Voilà. Oh, je suis en train de se terminer. T'es tout. Hey,
Raise the alarm! I got a shot! Oh, il y a du monde, il y a du monde. Trop de monde. Trop de monde, tout le monde. Il est face au-dessus de la barrière, mon dieu. Ok, on stay. Pourquoi tu veux pas aller? Saute. Si bon ou pas. Oh, de très loin. Hop, c'est bon quoi. Voilà. Caché. Oh, je suis dans le secteur là. Ah non. Sois sérieux. Faut que j'aille au moulin. Il t'a échappé encore une fois? Ouais. Robert, c'est un renard hostile à tout signe de gentillesse. J'ai perdu deux hommes en quelque sorte aujourd'hui. Alors, quel est ton vrai nom, ma jolie? Marie Reed, pour ma mère. Ainsi que mes vrais amis. Mais si tu révèles ce nom à quiconque, tu diras adieu à ce qui fait de toi un homme. Cent pour cent. Impeccable. Franchement, cette mission, elle valait de l'or. Donc, c'est tout, les amis. On a fini la mission. C'était une super mission, franchement. J'ai eu bon. J'avais dit que c'était pas une femme. Donc, c'est tout. Je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'est ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!